Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans cette capsule, là où on va connaître les différentes fonctionnalités des touches du clavier. Mais avant de commencer, quelles sont les touches du clavier que vous connaissez? Très bien, la touche espace, les touches entrée, la touche effacer, la touche majuscule, la touche supprimer et enfin la touche du verrouillage numérique. Et maintenant, on va passer tous ensemble pour connaître le rôle de chaque touche. On va commencer par la touche espace. Alors, c'est quoi le rôle de la touche espace? Très bien. La touche espace me permet de créer des espaces entre les mots. On passe à la touche entrée. La touche entrée me permet de à la ligne. Très bien. La touche entrée me permet de retourner à la ligne. On passe maintenant à la touche effacer. La touche effacer me permet Bravo. La touche effacer me permet d'effacer la dernière lettre ou de revenir en arrière. Et la touche majuscule, qu'est-ce qu'elle fait? Très bien, la touche majuscule me permet d'écrire en majuscule. La touche supprimer me permet de... Bravo! De supprimer une lettre, un mot ou un élément sur l'ordinateur. Et enfin, la touche du verrouillage numérique permet de... Excellent. Permet d'activer les touches numériques. On passe maintenant pour faire l'exercice suivant tous ensemble. J'indique la touche activée sur ces images. La touche activée est celle qui est allumée. La touche activée est... Très bien. C'est la touche du verrouillage numérique. Et la deuxième touche... Et la touche majuscule. L'exercice numéro 2. Je reviens à mon ordinateur et je complète les phrases suivantes. Les touches numériques servent à écrire les... Excellent, les chiffres. La touche majuscule sert à écrire en... Super, en majuscule. La touche du verrouillage numérique sert à activer ou désactiver les touches. Très bien, les touches numériques. La barre d'espace sert à créer des... Bravo, des espaces entre les mots. Les touches alphabétiques servent à écrire les... Excellent travail. Les lettres. On s'arrête là. Merci pour votre attention. À la prochaine.